Chez vous pour la deuxième fois consécutive. La jeune fille à l'écran s'appelle Queenie Minko, plus connue sous le pseudonyme de Doria. Elle est portée disparue depuis le 14 novembre dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 24, ça fait donc 10 jours qu'elle est portée disparue. Elle était partie du domicile familial Siza Bikele pour aller faire son devoir, d'abord chez sa petite tante. Cette dernière étant occupée, l'a orientée vers l'un de ses collègues et elle se serait rendue donc chez ses collègues, là, conseillée par sa petite tante. Et depuis lors, elle n'est plus jamais réapparue au domicile familial. Le collègue qui aurait aidé la jeune fille à faire le devoir aurait passé un coup de fil à sa collègue pour dire que l'enfant vient de terminer de faire le devoir avec moi, qu'elle est rentrée, sauf qu'on ne l'a pas vue à la maison. Elle est introuvable. Toutes les recherches effectuées à Libreville, au commissariat, dans les hôpitaux, n'ont pas permis de retrouver la petite fille.
Et d'après certains soupçons même qui pèsent, on parlerait d'une séquestration. Elle serait séquestrée par deux de ses ravisseurs. Est-ce qu'il s'agit de la personne chez qui elle s'était rendue pour faire le devoir? Point d'interrogation. Et quelque chose paraît un peu ténébreux dans ces dossiers, c'est que pourquoi cet homme, après avoir fait le devoir, a appelé, après que l'enfant soit parti, d'après se dire, pourquoi n'avoir pas appelé lorsque l'enfant était encore là pour dire que l'enfant partait maintenant? Pourquoi avoir dit que l'enfant est parti, il n'est plus chez moi? Est-ce que ce n'est pas une manœuvre perfide? Seuls les enquêteurs chargés du dossier pourront élucider donc cette zone d'ombre. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la petite fille qui venait de prendre 18 ans a donc recherché par sa famille et toute personne l'ayant vue et prié de contacter sa famille, la famille Minko, qui répond au 00 241 66 20 94 43 7. Voilà. Donc 00 241, si vous voulez bien. Si vous êtes au Gabon, toujours c'est le 06, hein. Vous savez qu'il y a une modification au niveau chiffres. Donc, il y a le 6 qu'il faut ajouter. Sinon, c'est le 06 20 94 43 37. Deuxième numéro d'appel 00, enfin 07 41 49 61 96 17. Vous avez aussi un deuxième numéro, un troisième numéro 06 22 52 33 2. Voilà, donc la petite Doria, de son vrai nom Queenie Minko, est introuvable. Elle est sortie du domicile familial depuis le 14 novembre dernier pour aller faire un devoir. Elle s'était rendue donc chez sa tante d'abord, mais cette dernière étant occupée, ayant, aurait donc conseillé la petite fille d'aller chez l'un de ses collègues qu'elle a joint au téléphone séance tenante. Et c'est chez cette dernière que cette jeune fille s'est rendue, mais sauf qu'elle n'est plus rentrée dans la maison. Est-elle partie véritablement de cette maison où elle avait fait les devoirs? Ou serait-elle séquestrée là-bas? Point d'interrogation, pourquoi cet homme a attendu après pour dire que l'enfant est déjà parti? De quoi se reprochait-il? Des enquêteurs pourront donc élucider cette zone d'ombre, tout ce qu'on sait. C'est que Libreville est devenu un coupe-gorge. Faites extrêmement attention parce que les enlèvements et les séquestrations à l'approche des élections sont monnaie courante. Donc, ne laissez plus vos enfants sortir seuls. La preuve, c'est que depuis 10 jours exactement, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 24, donc depuis 10 jours, 10 jours c'est inquiétant, c'est une disparition inquiétante dans une ville qui est réputée donc comme étant un coupe-gorge. Lorsque la personne ne rentre pas, il y a des motifs de s'inquiéter. Il faut donc absolument tout mettre en œuvre. Et n'oubliez pas aussi que c'est la fin de l'année où il y a souvent des sacrifices humains. Je vous avais parlé ici de ces disparitions à la prison centrale et j'ai même été contacté par une famille qui a découvert 11 mois plus tard que leur parent qui était à la prison centrale est mort et enterré à leur insu, à son insu. Voilà, donc ce sont des choses qui se passent au Gabon. Faites donc extrêmement attention. Et je vous rappelle que la petite fille est connue sous le pseudonyme de Réa. Et si vous l'avez rencontrée, si vous l'avez aperçue quelque part, donnez l'alerte soit à la famille à travers le numéro que j'ai indiqué, ou alors saisir la police. Il y a quand même la police qui est un peu partout dans Libreville. Saisissez la police. Pour sauver cette vie, surtout que la famille est en émoi depuis que cette jeune fille n'est pas rentrée. Passez donc le message et faites circuler la photo. Je la publierai tout à l'heure sur ma page Facebook pour une large diffusion. L'information continue sur Facebook et YouTube. Thank you.
Kundi nangao, kundi nangao, kundi nangao.